Je pense qu'il y a un truc allumé dans le coin. Pour modifier la tension, utilisez le levier. Attention, risque de suspension. Surtension. Augmenter ou baisser la tension. Bah, je pense qu'il faut augmenter, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Un tremblement de terre. L'unité de commande est détraquée. Ok. Il va se passer quelque chose encore. Oula. Ça tremble. Je peux mourir maintenant. Ah, attention. Au feu. Ah non. J'ai cru que ça allait s'enflammer. On n'en parle pas. Qu'est-ce qui se passe? La chaîne s'est arrêtée. L'ordinateur central ne répond plus. Hé, hey, t'es le gosse du Libra. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Ça sent le combat, là. Peu importe. Le logiciel de production des Pokémon obscurs a été effacé. Donozer va être furieux. Il va me passer un de ses savons. Ouais, moi aussi, je vais te passer un savon, tu vas voir. Je sais plus où j'en étais niveau santé Pokémon, j'espère que ça va. Ouais, oui ça va. Ouais, c'est bon. Alors, je vais faire ça et ça. Alors, le cactus là, il va brûler direct. Voilà, je m'en doutais. Il a deux Pokémon. Oh, ça va. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Ah non, il y a un Smogogo aussi, j'avais pas vu. Il a 5 Pokémon en tout. Ok. Alors. Je vais faire ça. Allez, je mets feinte sur tout le monde, allez hop. Ouais, nickel. J'ai bien fait de... J'ai fait le bon choix. Ah mince, c'est quoi? Grincement. Oh non, c'est nul ça. J'en veux pas. Oh, un gros nounours. Je fais penser au gros nounours dans Nicolas et Pimpronel. Bon, c'est pas de ma génération tout ça. Hein. Ah, obscur. Ok, bah je vais d'abord mettre KO le gros nounours et après je m'occupe de l'autre. Non, non, un slam, je le sens pas. Je vais mettre feinte aussi. Allez hop. Nickel. Parce que le lance-flamme, je pense pas que ça aurait fait autant de dégâts. Nickel. On l'a eu. Alors, bah là, faut qu'on y aille doucement. Je vais mettre Onde Folie. Et Martial. Oh là là. C'est plutôt pas mal. Oh bah là, c'est bon, on va pouvoir le capturer là, normalement. Oh bah là, oui, c'est bon. Eh bien, presque KO déjà. Alors, je
pense que les Super Bowls là, par contre, ça va pas être assez. Hein. Non, on va essayer, parce que j'en ai pas beaucoup des Hyper Bowls. On va voir ce que ça donne. Sinon, je fais comment pour... Ah oui, je sais pas à quoi ça sert ça, mais en gros, ça évite qu'il attaque. Là, si je lance une nouvelle attaque, il va être KO. Ah, je m'en doutais. Non, on va essayer la Hyper Bowl alors. Enfin, j'en achète plein, hein, parce que là. Ah non, j'aurais dû lancer la Hyper Bowl maintenant, en fait. Quel con. Bon bah, on l'a pas eu. Ce sera pour une autre fois. Ah non, j'ai pas eu assez de logique là. J'aurais dû mettre la Hyper Bowl maintenant. Ah, je suis trop deg. Ah, c'est assez compliqué, hein, de capturer les Pokémon obscurs quand même. Surtout quand t'as pas le matos. Quand t'en as pas beaucoup, c'est la panique. Oh, il y a le boss là. Où ils sont tous? Tu les as tous fait fuir. Impossible. Un enfant seul aurait mis hors d'usage tous les Pokémon obscurs qu'on a créés. Ah, tu as saboté mon usine. Tu as sali mon nom. Tu m'as humilié. Attends, qu'est-ce que tu mérites, hein, mon gars. Tu l'auras bien cherché. Je suis furieux. Tu vas me le payer. Prépare-toi à passer un sale quart d'heure. C'est lui qui va passer un sale quart d'heure. Moi, je suis tranquille avec ma manette. Hein. Alors, feinte et feinte. Ah, je mets les deux. Pareil. Oh non, pas ça. J'aime pas quand ils mettent abri. Ça me fait passer un tour. C'est énervant. Ça aurait été plus cool que je puisse soigner mes Pokémon avant ce combat. Je suis presque KO déjà. C'est pas cool ça. Bon, je vais mettre un... Super potion. Oula. Oh là là, oh là 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 là. Ça fait mal ça. Bon, pour Fogler, on s'en fout, mais... Au contraire, mais alors par contre, les Pokémon là... Ah là là, il a plein de Pokémon en plus. Alors, ce que je vais faire, c'est bah, les re-soigner. Petit à petit. Voilà. Et comme par hasard, j'ai mis mon attaque dessus en plus. Oh là là. Ah, ils sont malins. Il a mis séisme, il a mis protection pour pas avoir le séisme dans la gueule. Ok. Comment je vais faire donc? Bah, je vais faire pareil, hein, en espérant que qu'il ne refasse pas pareil. Alors moi, par contre, encore une hyper potion.
Ah, c'est tout. Il m'énerve. Eh, mais Demolo, c'est un petit peu important. C'est bizarre que ça lui fasse autant de dégâts. Bon, bah voilà. Il est plus dans le terrain. Alors. Je vais mettre qui? Tanmar? Non, je vais mettre Togepi. Alors. On en est un petit peu mal là, je vais peut-être mettre un rappel pour Demolos, je sais pas, je vais voir. Pour le moment je pense que ça sert à rien. Oh non, c'est pas vrai, à chaque fois il me fait le coup. Bah, Togepi il a pas fait long feu. Hein. Après, mes autres Pokémon, comme vous pouvez le voir, ils sont quand même assez moins. Beaucoup moins de niveau. Alors, je vais mettre. Poursuite, cette fois-ci, j'espère que ça va. Je vais mettre ça. De toute façon, ça ne peut faire grand-chose. Oh là là, oh, je suis deg. Toujours pas KO l'autre. Ah bah allez, c'est, ça y va. Hein. Soit il met abri, soit il met séisme. Ah, il met aussi le KO. Ah, ça c'est bien marrant. Pour l'autre là. Et puis il y a Xatu qui est prêt à être purifié. Non, pas Xatu, Natu. Parce que Xatu, c'est son évolution. Tous les Pokémon KO qui sont dans mon équipe ne vont pas faire en feu. Noctalie, on va faire ça. Là, je vais mettre un rappel pour mon Pokémon. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai rien mis dessus. Ouf. Oh là, il reste encore un petit bout de vie. Oh. Ouais, je m'en doutais, tous mes Pokémon obscurs, KO. Mais ils ont que le niveau 20 aussi, donc alors, là je vais mettre, comme tout à l'heure je pense, feinte. Et l'autre, bah, j'ai peur que Lance-Flamme ça le fasse pas, je vais mettre feinte. Voilà, enfin. Et l'autre, bah c'est bon, il va être KO aussi. Encore un gros nounours. Bon, je sais qu'il s'appelle Usaring, mais c'est plus rigolo, gros nounours. Un Pokémon boxeur et obscur aussi. On va voir si on va réussir à l'avoir. Là, je suis un petit peu en panique. Ah bah c'est bon, d'un coup on l'a eu, ça c'est cool.
Je suis en panique parce que j'ai bien peur que le dernier Pokémon obscur qui reste, bah, il soit obscur justement. On va voir. Oh là là, je m'en doutais. Oh, ça va être dur ça. En plus, j'ai que 3 Hyper Balls. Et en plus, je suis presque KO. Oh là là. Moi, je leur soigne pas. Je le soigne un plus tard. Hein. Ah bon, bah c'est mort pour lui. Ah, c'est vraiment pas facile, hein, des fois. Franchement, quand j'y avais joué plus jeune, je me débrouillais mieux que ça, hein, je trouve. Bon, normalement, Hypnomade, on va l'avoir. Normalement. Bon, ça, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de l'attraper. Hop. Hyper Ball. Et tu rentres dedans, hein. Tu t'échappes pas. C'est bon, on l'a. Ouf. Ah, tu vas me le payer. Tu vas regretter. Je vais faire exploser l'usine et toi avec. Ha! Oh mais il est super dingue lui. Tonnerre, assez. Accepte la défaite. Maître Malafide. Oh, 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 comme on se retrouve. Tu te souviens de moi? Exactement, je suis Monsieur Crésus, ou plutôt devrais-je dire Malafide, le grand maître du groupe Ombre. Je dois dire que tu m'étonnes, je n'aurais jamais imaginé que tu détruirais notre usine. Mais ce n'est pas bien grave. Même si la production en masse de Pokémon obscurs est arrêtée, cela n'a fait dans rien d'autre plan. Nous avons déjà mis au point XD001, il est avec moi. Le Pokémon obscur impossible à purifier? Maintenant nous devons activer XD001, cela ne va pas tarder. Tu penses sincèrement pouvoir m'arrêter? Je dois aller au QG Ombre. Il est sur l'île Ténébra, au large de Port-à-Marée. C'est une forteresse imprenable, c'est des vagues cruelles et d'épais nuages la coupe du monde. Rejoins-moi si tu l'oses, j'en serai ravi. Oh, 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 oh. Oh quelle bande de... Maître Malafide a un drôle de sens de l'humour. La mer est trop agitée, les bateaux ne peuvent pas approcher. Et même si tu arrivais jusqu'à l'île, elle grouille de dresseurs qui se battent avec les Pokémon obscurs que j'ai créés. Il devrait y avoir beaucoup plus de Pokémon obscurs. Si XD001 n'avait pas fait tomber ce bateau dans le désert, on aurait mis moins de temps à créer les Pokémon obscurs. Ouais, ouais, mais c'est pas si grave. Il y aura bien assez de Pokémon obscurs pour t'accueillir. Combien il y en a? Si je te le disais, il y en a vraiment beaucoup. Bientôt, le monde sera à nous. Prépare-toi. Il s'ennuierait bien dans le monde tout seul. Il y aurait plus de personnes pour faire les métiers et tout. Ça serait embêtant, imaginez un peu. Ça serait notre cas. Bon, moi je vais soigner mes Pokémon, c'est urgent. Faut que je me repère déjà. C'est un vrai labyrinthe là-dedans. C'est par là. Ah! Boulot disco, s'en fout. Hein.
Là. Allez, on se casse. On s'est fait voler. Ouais, il y a des voleurs dans le coin. Mince, c'est pas vrai. C'est la propriété du groupe Ombre. Je sens qu'il va se passer quelque chose, je vais sauvegarder au cas où. Non mais j'ai dit sauvegarder, wesh. Voilà, comme ça. 15 heures de jeu déjà. Et j'ai 39 Pokémon obscurs. C'est pas mal. Donc là du coup je sais pas s'il faut qu'on aille à Paramarie maintenant ou quoi. On va peut-être plutôt qu'on aille au labo je pense d'abord. Pour prévenir tout le monde j'imagine. Parce que là on va voir. Avec le professeur tout ça. Non mais lui il va pas m'aider lui. Ah, c'est où qu'il faut déjà y voir. Ah, ici peut-être, les parents. Pardon, tu as saccagé l'usine secrète du groupe Ombre. Ce qui veut dire les Pokémon obscurs ne peuvent plus être créés maintenant. Ce sont d'excellentes nouvelles, tu as vraiment réussi Eden. Maintenant, il faut attraper les Pokémon obscurs restants et les purifier. Je crois qu'il est temps de te donner quelque chose. Eden, à ta prochaine visite au laboratoire Pokémon, pourrais-tu venir me voir au rez-de-chaussée? Je voudrais te donner quelque chose, n'oublie pas. La fille de grand maître du groupe Ombre t'a défié de venir l'affronter sur l'île Ténébra. Il semble que notre combat contre le groupe Ombre soit dans sa phase finale. Il est à craindre que les choses deviennent plus dures pour toi, mon chéri. Mais Eden, je sais que tu vaincras ces criminels, j'ai foi en toi. En vrai, des parents, ça te dirait pas ça, un gamin de 10 ans. Tu vas aller sur l'île Ténébra vaincre, je sais pas, 50 méchants et tout. Wow. Ah, c'est bien Pokémon, ça. Peut-être qu'il faut déjà y aller de chaussée maintenant, peut-être, du coup. On va voir. Ça, c'est pas la rez-de-chaussée, ça. Je vais repasser comme ça. Bah là, c'est là le rez-de-chaussée. Ah, il va peut-être arriver. Non, même pas. Ah là, je sais pas, là, pour le coup. Je suis paumé, là. Mais là, il est toujours à sa place, là. Je le rejoins au rez-de-chaussée, quand j'y vais, il y est pas. Il est sérieux. Bon, bah là, il répète ce que je viens de dire. Ouais, là, je... Peut-être qu'il faut que je parte du labo et que je revienne après, peut-être. Ah, mais je sais ce que je vais faire en attendant. Faut que je m'occupe de Natu. Et aussi faire des gros achats. Pour ça, on va aller là.
normalement, je pense que j'ai que lui. Hein. Les autres, ils sont pas encore prêts. Non, pas de surnom. Ailleurs, est-ce qu'il y a... Non, c'est bien ce que je pensais. Il n'y avait que lui qui était prêt. Je vais le déposer dans le PC. Pour en prendre un autre obscur. Déposer. La boîte 1 est pleine. Oui, ben je fais comment pour le. Ah, comme ça. Bon, ben je prends lui. Retirer. Voilà. Je vais chercher ma baie gratuite et après. Je vais faire mes achats. Ah, arrêtez de m'embêter. Merci, Pépé. Alors, oh non, c'est pas vrai, il a pas d'hyperbole. Faut déjà y aller ailleurs, je pense, pour ça. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Rien. Oh là là. Je sais où je vais aller. Où je pourrais en trouver. Ici, il y aura peut-être ce qu'il faut. Je vais acheter Hyperball, voilà, c'est mieux ce que je pensais. Moi, je peux en prendre 21. Ouais, bah, j'en prends 21. Allez, hop, Eden ruiné. Voilà, il peut rien. Je peux même pas prendre d'hyperbole. C'est cher, hein. On va retourner au labo maintenant. Quand même, fallait que je me casse pour revenir ensuite pour l'avoir enfin au rez-de-chaussée. Salut Eden, je suis ravi de voir que tu es revenu. Je voudrais te donner quelque chose, Eden. Viens avec moi, veux-tu? Oh, des escaliers! Ah, ça t'a étonné, hein? Allez, viens avec moi. Ah, ok, un passage secret. Bon bah, je vous suis. Hein. Par ici, Eden, suis-moi s'il te plaît. Oui, mais c'est ce que je fais. Le combat contre le groupe Ombre est entré dans une phase décisive. Je crois que des mesures spéciales s'imposent. Eden, il y a quelque chose que je voudrais que tu utilises. Vas-y, ouvre cette boîte et prends son contenu. Là, une boîte. Une Master Ball. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. C'est une Master Ball, cette Pokéball n'échoue jamais. Elle a un taux de capture de 100%. Ça va être pour capturer XD001, je parie. Utilise-la si tu penses que c'est le bon moment. Bon courage.
Thank you very much, Mr. Teacher. Et ben, je pense que maintenant, il va falloir aller à Paramaré. Je sais pas comment... je dis Amaré ou si ça se trouve, ça se dit Amer, je sais pas. Voilà, c'est où? C'est là-bas. Amaré, moi je dis. Regardez ce que je vois. Moi, ce que je propose, les gars, c'est de faire des combats et tout pour gagner en niveau et aussi pour pouvoir acheter du matos, quoi, parce que là ça va pas le faire. J'ai que 20 hyperboles. Ça va pas être suffisant. Ouais, on va je sais ce que je vais faire. On va aller à je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça là, le mot bataille. Là, on va gagner en niveau et on va gagner de l'argent. Ça, après, je pourrais acheter plein de Pokéball, enfin Hyper Ball. Et Hyper Potion aussi, très important. C'est aussi dans Sector 4, bon courage. Alors les gars, pour pas que vous vous ennuyiez, je vais pas faire m'éterniser là-dessus. Hein. Je couperai des passages et comme ça après on sera bien prêt pour la suite. Parce que là c'est juste pour s'entraîner et tout là. Gagner un peu d'argent aussi pour préparer mes réserves. Si tu arrives à me battre, tu auras terminé le secteur 5. Allons-y. Ouais, je suis prêt. Attention, ça rigole plus. Hein. J'ai quand même le niveau, allez, entre 43 et 45. Allez, crame-les tous! Dommage que je peux pas les cramer les deux en même temps. Faire un par un. Oh non, on est allé à la trouille. Ça va pas, non? Je suis pas content. Pas fait grand chose hein, ça. Oh non, confus. Ça c'est bien. Alors je sais plus qui a attaqué qui tout à l'heure. Ça avait pas été efficace. Je vais poursuivre pour changer. Masco, j'adore ce Pokémon. Je le trouve magnifique. Et j'aime bien Arco aussi. Arco qui évolue en Masco. La dernière évolution, j'aime un peu moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos remarques.
Alors, voyons voir. Ah, je vais cramer Masco, hein, parce que ça me plante. Hein. Non, j'ai cru qu'il allait se taper dessus, il montre. Ah, il n'y a plus qu'un Pokémon, normalement. Ah non, il y en a un deuxième. Pokémon haut en plus. Fasse gaffe. Hein. Au revoir Masco. C'était un plaisir de te revoir. Bien sûr. Et puis fin. Il va mettre un pistolet à eau, je le sens. Ah, il aura peut-être pas eu le temps. Ah, il n'a pas eu le temps. Yes. On a terminé le secteur 5. On fera les autres secteurs plus tard. Trop fort! Et ouais. Tiens, Poké Coupons sont à toi. Merci pour les Poké Coupons. Je crois que c'est pour m'acheter des trucs, les Poké Coupons, je sais plus exactement. Ouais, voilà, je me casse. Le Abra là. Hop. Oui. Par contre, j'abandonne pas, je suspends. Non mais où? Moi, abandonnez-moi. Non mais où? Hein, ça va pas, non. Ah, pas dans les jeux vidéo en tout cas. Hein. Peut-être dans la vraie vie pour certaines choses, mais dans les jeux vidéo, j'abandonne pas. Surtout si c'est Pokémon. Alors là, les gars, ce que je propose, c'est d'aller dans une arène qu'on n'a pas encore fait. Enfin, on y allait, mais on n'a pas encore relevé les défis, donc là, on va y aller. Et après, on ira sur l'île, je sais plus comment ça s'appelle, l'île Ténèbres, je sais plus quoi, là, où il y a tous les méchants, là, avec les Pokémon obscurs. Donc, c'est de ça que je parlais. On va faire la tour Titanite. Et après, bah on après on régulera moins. Franchement, j'adore trop les genres de trucs comme ça. Enfin, bien que ça existe en vrai. Enfin, en tout cas, en France, dans ma ville, il n'y a pas ça. Hein. Alors, où est-ce qu'il faut déjà pour enlever le défi? Là, ça doit être là derrière. Je fais une petite sauvegarde quand même. Parce que ça fait un moment que j'avais pas sauvegardé. Bon, ça fait 10 minutes que j'ai pas sauvegardé en fait, apparemment. Alors, participer. Ouais. Je vous souhaite d'emporter la victoire. Bon courage. Merci, c'est gentil. Colosseum de Titanite, combat 1. C'est parti, mon kiki. Bien, il est l'heure de combattre, allons-y. Je suis prêt. À moi, Eddy. Je t'attends. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Bah déjà, Pokémon haut, hein, faut que je l'attaque en premier parce que les miens, vu qu'ils sont pas
très compatible, je préfère. Et zut, il lui reste encore des PV. Oh! Bon, on va faire ça, ça et ça. Donc il me semble, je crois qu'il y a 4 manches en tout, 4 ou 5. Je pense que c'est plutôt 5 manches. Là normalement il n'y a pas de Pokémon obscur, c'est juste des combats classiques. Je sais plus aussi quand on gagne, si c'est des poké coupons qu'on gagne à la fin ou autre chose, ça je sais plus. On verra bien tout à l'heure. Si je parle pas trop et que je lis un petit peu. J'ai tendance à pas prendre toutes les informations. Niveau 48, yes, ça c'est bien. Alors oui, j'ai passé le multi-exp à Demelos parce que là je commençais à avoir un grand écart avec Magtani, qui est déjà niveau 63. Et du coup, j'ai passé le multi-exp pendant l'entraînement. Là. Comme ça, ils auront tous les deux à peu près le même équilibre en niveau. Qui est pour le moment pas trop cas. Ça c'est mon duo dans Pokémon XD, Demelos Noctali, c'est mon duo. Du début à la fin. Et voilà, ça c'est fait. On va passer à la deuxième manche. Youpi, j'ai gagné. Il me manque les confettis pour fêter ma victoire. Peut-être à la dernière manche. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le public qui crie, mais le public est statique. Il ne bouge pas d'un poil. Ah si, il bouge un petit peu quand même, mais ouais. Bizarre quand même. Puis les gradins, ils sont pas pleins. Hein. Par rapport au stade de foot avec Paris Saint-Germain, wow. Ça c'est bien parce qu'il y a l'autre qui est grillé là. Moi je vais attaquer le singe là. Oui, je sais, c'est vigorote, mais j'aime bien les appeler autrement. Et oui, ça pourrait être gros tas de pierres. Le pire c'est quand il évolue. Bon, gros tas de pierres, c'est peut-être pas très sympa. Hein. J'aime bien ce Pokémon, hein, pour ce qui est au cas.
morsure, d'ailleurs. Je pense que lance-flamme ça va être super sur le Pokémon. Bon bah lui, au revoir. C'est pour ça que je l'attaquais plus, c'est que je voyais bien qu'il était brûlé, donc du coup je le laissais. Alors bah du coup j'hésite, je crame lequel? Moi, je vais mettre feinte sur lui. J'ai un Pokémon haut, hein, ça se voit pas trop. Parce qu'il est pas bleu, mais c'est un Pokémon haut, je pense quand même. Donc, voilà. Se faire avoir. Et je vais cramer Mistybule. Moi, je pense que j'ai pris la bonne décision. Déjà pour mettre devant glace et que c'est un Pokémon voire même Pokémon glace. Je sais pas trop, c'est pas un Pokémon que je connais beaucoup. Et il s'appelle Reliquant, je savais même pas le nom, donc c'est pour dire que je le connaissais mieux pas quoi. Je l'ai déjà vu mais c'est tout quoi. Oula, cascade, ça va faire mal à la tronche. Non, même pour ça, pas fait grand chose en fait, son Octavie en fait. Ah, c'est bon, j'ai cru que ça allait aussi. J'ai cru que l'attaque cascade, ça allait me mettre sur les deux Pokémon. En fait, non. J'ai eu chaud. Je me suis dit, oula, de l'eau. Faut pas le faire. Donc, mange 3 maintenant. Demi-finale. Ah, il y en a peut-être que 4 alors. Ça doit être le troisième demi-finale. Après, ça doit être la finale. Donc, il doit y avoir 4 manches. Je pense, pas 5. On verra bien. En tout cas, ça m'inquiète pas du tout. Je sais que je vais sortir vainqueur de cette arène. Et voilà, le petit Pokémon là, il n'a pas fait long feu. Donc Scorplane et Cryopicker. Ça je pense et puis ça c'est de réfléchir assez vite au niveau des attaques pour ne pas se prendre 2 heures quoi. Ouais, nickel. On voit le cactus, je vais le cramer direct hein. Ouais, il y a du sable dans le coin là. Alors, bah feinte.
et lance-flamme. Il a aucune chance de gagner. Aucune. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. Apparemment, il y a un Demelos qui a pas lancé son lance-flamme. Il vient juste de me rendre compte. C'est pas bien ça, Demelos. Voilà, faut attaquer, quand faut attaquer, faut attaquer. Ah mince. Du coup, ça marche pas quand il se met en clone. Zut. Oh. Ça nous fait un tour en plus. Au moins que la feinte ça suffit. Non, ça suffit pas, c'est bien. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que je voulais le cramer, moi. Mais il n'a pas attaqué tout à l'heure des meufs. Là, il y a eu le clonage qui m'a stoppé. Ça a juste fait durer le combat un peu plus longtemps, hein, c'est tout. Et voilà, donc là en finale. Ouais, niveau 49. Je pensais que c'était une combinaison parfaite. Pas apparemment, non. Mademoiselle. Finale, c'est mieux ce que je pensais. Donc il y avait bien 4 manches. Mur et Norfan. Les Pokémon oiseaux, ok. On va faire ça, ça. Je pense que le feu et l'acier, ça peut être bien. Voilà, c'est ça. Je m'en doutais. D'un coup, yes. Et les DEL. Donc une enfant, tu sais, c'est dans le Johto, Pokémon Johto. Et puis les DEL, c'est plus dans Pokémon Advance, dans la série télé, bon, je parle bien. Carco, tout ça, ça c'est Pokémon Advance. Il y avait Pokémon Battle aussi. Je sais plus si Battle c'était avant Advance ou inversement. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé les séries télé. Que j'aimerais bien regarder de nouveau parce que j'adore. Alors par contre après dès qu'on arrive à la saison perle argent perle, oh là je sais plus, bah la saison perle là je sais plus quoi, là j'aime plus là, après ça part en vrille, je sais plus. Non, c'est vraiment les anciennes saisons que j'aime. Même les films, je trouve qu'ils sont moins bien. À part Pokémon... Ah, c'était quoi déjà? I chose you. Pokémon, je te choisis. Pikachu, je te choisis, c'était... Voilà. On devait être un truc comme ça. Celui-là, il est bien. Voilà. Sauf qu'ils ont pas mis les personnages principaux dedans, et ça, j'ai pas trop aimé, quand même. Mais sinon, le reste, c'était génial. Le design, il était mieux. Du coup, parce que voilà, l'histoire était super, enfin scénario, mais le reste, qui est pas Ondine et Pierre, ils l'ont remplacé par d'autres personnages, ça j'ai pas aimé ça. Et voilà, j'ai gagné.
J'ai perdu le combat, mais tu as compris à quel point les Pokémon oiseaux sont forts. Bah oui, je sais que les Pokémon oiseaux sont forts. Hein. Enfin là, je les ai battus les doigts dans le nez, hein. Façon de dire. Félicitations pour votre victoire, c'était de magnifiques combats. Nous sommes heureux de vous remettre ce prix 8320 $ ou euros. Non, c'était pas dollars. C'est dollars, c'est pas compris. On va dire euros, mais c'est pas de l'euro non plus. Moi, je suis français, je suis en Europe, c'est l'euro. Nous attendons votre prochaine participation avec impatience. Donc, j'ai pas eu de Poké-Coupon. Les Poké-Coupons, c'était vraiment là où j'étais avant avec les secteurs 1, secteur 2, tout tralala. Là. Bon, bah, du coup. Oui, les objets là, je les ai bien ouverts, c'est bon. Parce qu'on était venu une fois, mais je sais plus si c'est accessible les combats. Et comme j'avais pas encore le niveau 40, tout ça, je me suis dit, ouais, je reviendrai plus tard. Je devais m'occuper des Justin. Du groupe Ombre qui se faisait passer pour lui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est les courses. On va faire les courses. Et il me manque beaucoup de choses. Hyper Ball, tout ça. Parce qu'après, je pense qu'on va passer aux choses sérieuses. Au prochain épisode. Est-ce que je peux vendre des choses déjà? Non, bon, j'ai mis acheter directement sans faire exprès. Ah mince, c'est vrai, il vend pas les hyper boules. Qu'est-ce que je peux lui prendre ici? Rien. Bon, je sais où je vais aller, c'est dans le désert. Là-bas, ils ont des hyper boules. Je regarde juste si j'ai des Pokémon prêts à être purifiés. Non, aucun. Ok, bon bah je me casse alors. Il n'y a plus de désert, donc c'est pas celui-là que je parle, c'est celui-là. Enfin, lui il a pas bougé, il est toujours là, avec ses cheveux roses. Alors, acheter. Non, vendre déjà, hein, si je vends des choses ou quoi. Pierre-Paul, Mignon. Ouais, je pense que je vais garder tout ce que j'ai en fait. Un peu là-dedans. Ouais, ça m'intéresse pas ça. Sinon, le reste, bah, je pense que je vais garder. Non, ça je vais l'enlever. Moi ouais, je garde, pour sûr. Ok, donc acheter. Hyper Ball. Hein, je peux en prendre que 9 avec tous les combats que j'ai fait. Oh, je suis deg. Et des rappels, je sais pas si j'en ai. Je m'en fous de ça aussi. J'ai pas de rappel, je pense. Il m'en faut. Ah, mais il me faut des hyperboles aussi, j'en ai pas assez. Hein. Ouais, je vais préférer prendre une hyperbole finalement. Et on va aller ici parce que c'est à partir de là qu'on ira sur l'île. On prendra un bateau ou je sais pas quoi. Et je vais sauvegarder là. Hop. On le met dans un coin pour pas gêner les gens. Sauvegarder. Et on va se retrouver au prochain épisode. Ça va plus rigoler là. Hein.
On arrive, je pense, vers la fin du jeu. À la prochaine.